schizophrénie, je l'ai découvert au moment où je faisais le film Carme. Et c'était une cassette VHS qui m'avait été recommandée par François Cognard et de Starfix. Il m'avait dit, tiens, il y a un film qui a indigné Nicolas Boukrieff, qui est un serial killer, mais toi tu vas adorer, il y a des effets de caméra que tu vas adorer. Et du coup, effectivement, je me suis procuré la cassette. Et le fait que quelqu'un dont j'estimais beaucoup le goût, comme Nicolas Boukrieff, pouvait être indigné par le film, je me dis, putain, ça va être encore pire que l'exorciste, Salo de Pasolini ou quelque chose comme ça. En fait, après, j'ai appris que non, il n'était pas du tout indigné par le film, il le trouvait vraiment un peu trop extrême. Le film, il avait été montré à un festival de cinéma fantastique à Paris et il n'avait pas eu l'autorisation de sortir en salle. Je crois qu'ils avaient eu l'interdiction moins 18 ans pour extrême violence. Du coup, il était condamné à passer dans des salles de films porno. Du coup, le film n'est pas sorti. Et voilà, donc c'était un film qui n'était même pas mythique parce qu'il avait été un peu étouffé à la base. J'ai appris que dans d'autres pays aussi, où ils avaient essayé de le sortir, ils n'avaient pas pu le sortir, comme en Angleterre. Et je crois que les seuls pays où le film a pu être exploité, c'était en Autriche et en Allemagne. C'est drôle, j'avais récupéré par la personne qui détient les droits français de schizophrénie, j'avais récupéré les lettres du visa de censure, et le visa de censure lui-même, mais la lettre du ministère expliquant pourquoi le film a été interdit au moins de 18 ans pour incitation à la violence est très très drôle. Je peux comprendre qu'à l'époque où le film avait été présenté à la commission de censure, qui avait trouvé ça trop choquant, et peut-être comme c'était un petit film malgré tout, il n'y a pas eu des coups de pression du studio américain ou d'un distributeur de cinéma d'auteur qui voulait sortir. Là, c'était le distributeur qui voulait sortir, il sortait plutôt des films, des séries Z ou au mieux des séries B, mais du coup, c'était pas présenté comme un film d'auteur. Aujourd'hui, effectivement, il pourrait ressortir, mais impossible. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu le film, j'avais cette VHS qui me fascinait et qui était en VF. Et la VF, elle est magnifique. C'est une meilleure VF de tous les temps. Et je sais pas, au bout d'un moment, chaque fois qu'il y avait un pote qui venait à la maison, je lui montrais la cassette. Et du coup, comme ça, je me suis retrouvé à voir le film 30, 40 fois, je sais pas combien de fois. Dès qu'il y avait un pote, tac, je lui dis, tiens, regarde Schizophrénie. D'ailleurs, le titre Schizophrénie, moi, il me plaît plus encore que le titre allemand. Angst, c'est angoisse, peur, mais schizophrénie, je trouve que ça ressemble le plus au film. Et j'ai revu le film plusieurs fois aussi en sous-titré, mais moi je préfère de loin le voir en VF, parce qu'on rentre dans la tête du personnage, avec toutes ses pensées, ses monologues schizoïdes. Et je trouvais que le film perdait un peu de sa puissance lorsqu'on lisait la voix off, que le film était beaucoup plus fort si on le regardait en VF. Et du coup, on était comme transporté, comme dans un rêve, par les méandres de la psychologie du personnage. Maintenant, j'en suis certain. Je recommencerai. Il le faut. Mais cette fois, ils ne m'attraperont pas. Moi, j'aime bien les VF. Et le mec qui a fait la voix dans Schizophrénie, de la version française, il faisait aussi la voix du début de Frisson de Cronenberg, qui est un autre film que j'adore. Et un jour, par hasard, j'avais regardé Schizophrénie avec un pote, et puis après on enchaînait sur Frisson. Et c'était trop bizarre parce que d'un coup, la voix qui lançait le film était la même, et tu la reconnais au quart de tour. Et du coup, c'était comme si c'était une continuité et que c'était un diptyque. Ça, c'était assez drôle. C'est par pur hasard que ça s'est produit. Et je crois, au moment où j'ai fait Seul contre tous, je m'étais même demandé si j'allais pas essayer d'utiliser la voix de ce mec-là. Je n'avais pas réussi à trouver le nom de la voix. Et c'est à ce moment-là que j'ai opté par une voix à la première personne de Philippe Léon. Mais il était question à un moment que le résumé des photos, pour faire un peu plus hommage à Angst, que j'utilise même la voix de ce doubleur-là.